Le plus urgent. On en est maintenant à 8 régions touchées par le variant britannique du virus après les découvertes de nouveaux cas à Lille, chez les soignants, et à Cholet, au sein d'une famille résidente en Angleterre et qui rentrait pendant les fêtes. Cette famille logée chez des grands-parents, et parmi les grands-parents, l'un d'entre eux a dû être hospitalisé. D'ailleurs, les hospitalisations pour le Covid sont encore une fois à la hausse. Le gouvernement réfléchit donc à un durcissement des mesures. Un reconfinement n'est pas à exclure, c'est ce que dit le Premier ministre Jean Castex, mais le gouvernement privilégie pour l'instant la piste du couvre-feu à 18h dans tout le pays. C'est tôt pour nous tous. C'est une restriction supplémentaire dont on se passerait, quoi. Ça va pas changer grand-chose à ma vie parce que je finis à 20h en fait. Donc de toute façon, tout est déjà fermé pour moi. Et pour mes jours de congé, à 18h, je suis déjà chez moi, rentrée. Donc ça va pas changer grand-chose, non.